Alors, cette fois-ci, on va toujours travailler sur ce bloc corps qu'on va essayer de couper en deux. On va le diviser. Alors, pour le diviser, on va utiliser une nouvelle méthode. Donc, cette méthode est un petit peu plus jolie. On va utiliser de nouvelles fonctions. Premièrement, je sais que pour travailler, il va falloir que je fasse un plan. Donc, je vais déjà enlever le plan et la base pour que ce soit plus facile à voir. Et je vais sélectionner ce bloc-là. Et ce bloc-là, tout cet ensemble-là, je vais le couper par un plan. Alors, en fait, il faut que je définisse le plan. Alors, le plan, on va toujours prendre le même plan. Je dois construire le plan. Donc là, je vais prendre un plan coïncident qui correspond à cette face-là. Voilà, donc j'ai besoin en fait du bloc et du plan de découpe. Après, on va utiliser la fonction diviser qui se trouve ici. Voilà. Donc, je sélectionne le bloc que je veux couper et ensuite je sélectionne le plan que j'ai créé. Voilà. Et maintenant, je trouve, j'ai deux couleurs. Hein, ma pièce va être coupée en deux. Donc là, je valide. Et voilà l'autre côté. Donc en fait, j'ai deux pièces hein, qui sont possibles. Alors là, il faut que j'enregistre mon travail. Voilà. Et maintenant, je vais publier ces deux corps. Donc toujours dans la même zone, il va falloir publier plusieurs corps. Alors là, j'ai un corps modélisé, un autre corps modélisé. Là, ça me donne des noms de fichiers. Donc je vais aller modifier ce nom-là. Je vais pas laisser corps modélisé. Ça, c'est le couvercle. Et puis en dessous. Hop, je vais aller modifier et je vais mettre le corps. Je trouve que c'est assez intéressant. Je vais même créer l'assemblage de ces deux pièces hein, automatiquement. Donc, naturellement, ça s'enregistre à l'endroit où vous avez travaillé. Donc là, je vais enregistrer tous les fichiers. Donc, je sélectionne les fichiers, je les enregistre. Il va travailler pour moi et je ferme. Donc, globalement, vous avez maintenant un fichier de départ et vous avez le fichier de départ qui s'appelait bloc corps.part, et vous avez le résultat, c'est le corps et le couvercle. Et vous avez l'assemblage du corps et du couvercle, qui est automatiquement prévu. Ça, c'est intéressant. Il se trouve que tous ces fichiers sont liés. Donc, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je vais modifier, en fait, hop, je me trompe, je vais modifier le bloc corps. Le bloc corps, là, bah, avant la division, j'aurais pu rajouter des opérations. Donc je vais me positionner, vous voyez, je vais aller à. C'est-à-dire que je vais créer des opérations avant de faire le plan et avant de faire la division. Et vous allez voir l'intérêt de cette solution-là. Par exemple, là, je vais créer les quatre trous. Donc je vais faire un perçage ici. Alors, ça doit être des trous de diamètre. Je cherche. Ça doit être des trous de diamètre 4. On va mettre des trous de diamètre 4, j'ai pas les infos. Donc, je vais faire un perçage ici. Avec des trous de diamètre 4, mettons. Voilà. Que je vais positionner au centre de cet arrondi-là. Voilà, je réveille l'arrondi, je positionne mes trous. Voilà. J'ai pas fait attention, mais c'est des trous que je veux débouchant. Donc voilà. Ma pièce est complètement percée. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ces perçages-là, je vais retourner à la fin de ma division. Donc je vais aller à, bouton droit, aller à, et donc il me recoupe ma pièce. Mais il coupe aussi maintenant, les trous sont faits. Donc j'enregistre. Et si je vais ouvrir un des fichiers qui m'intéresse, qui est par exemple le corps, il va me dire, ah bah oui, mais attention, vous avez une mise à jour qui est proposée parce que vous avez modifié la pièce d'origine. Vous voyez qu'actuellement, ma pièce n'est pas du tout coupée, enfin, n'est pas percée, donc je vais, tiens, mettre à jour immédiate, hop, et je vais récupérer les trous que j'ai faits. Donc de la même manière, si je vais sur le couvercle, là pareil, une mise à jour et je récupère les trous. Donc là c'est assez intéressant, donc je vais enregistrer ça. Je vais fermer. On va enregistrer le corps. Là, je vais fermer. Je vais refaire la même opération, donc aller à après le perçage. Et puis là, imaginons qu'on fasse. C'est pareil, hein, j'ai pas les dimensions. On va faire un perçage. Ici, voilà. Donc un perçage voilà, sur ce plan coïncident, et puis là je vais faire le trou d'arrondi
s'étarder. Alors je sais que je vais faire un trou. Alors c'est quel, c'est un amage comme ça. Ah, je vais faire tout simplement un trou taraudé ici. Je vais faire un M4, si ça va être ça. Voilà, M4. Je vais le faire d'une certaine profondeur, donc j'ai pas les dimensions sous les yeux. Hein. Je sais qu'il faut que je prenne en compte le 3 mm de l'épaisseur du couvercle. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Je vais faire 23. Je vais faire un prolongement fini de 23 avec un cône ici. 23, je vais faire 18. Voilà. Et là, je vais positionner à la hauteur qu'on est ici. Voilà, je vais positionner mon perçage. Alors, c'est avec un taraudage. Donc le gros intérêt, c'est que une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon perçage, ah, qui est un petit peu trop grand. Donc je vais modifier la profondeur. Donc 23, on va mettre 20. Ah, c'est peut-être 18 en fait. 15, hop, et là, je vais mettre 13. Voilà. Voilà, en n'ayant pas les dimensions sous les yeux, c'est pas simple. Je valide, je retourne. Après sur division 2 et je aléa, je récupère mes deux pièces, j'enregistre. Et là, le couvercle, je vais récupérer un couvercle. Et sur le couvercle, je mets à jour. Donc là, je récupère un taraudage. Bon, bah, je vais refaire un perçage. Cette fois-ci, je vais faire le perçage sur ce plan-là. Je sais où il faut percer puisque j'ai la position des trous. Et donc là, je vais faire celui-là. C'est une tête fraisée, donc je pense que. On va mettre une M4, voilà, ça doit être quelque chose qui ressemble à ça. Je me positionne exactement à l'endroit du trou. Hop. Voilà, et j'ai refait ma pièce à peu près, enfin dans l'esprit, hein, sous réserve des cotes que je n'ai pas réellement. Voilà, et j'ai ma pièce qui est faite ici. Je vais donc le corps le mettre à jour également. Voilà, je l'enregistre. Donc là, il est fait comme il faut. D'accord. Et j'ouvre l'assemblage. Et vous avez l'assemblage qui est complètement déjà terminé, hein, avec les pièces que vous avez ici, qui sont faites. Alors à savoir que si vous allez sur couvercle et que vous décidez de changer la matière de couvercle, donc base de matière, on sait que c'est un plastique. Donc qu'est-ce que j'ai en dispo? Bah, j'ai du PMMA, c'est du plastique transparent, j'applique au modèle, voilà. J'enregistre le corps, je sais qu'il est en aluminium, donc je vais changer ma base de matière en aluminium. Ah ben bah, c'était déjà fait, parfait. Voilà. Et quand j'ouvre le bloc, voilà, je récupère bien les couleurs de mes pièces, hein, donc on voit bien que le PMMA est transparent. Et on voit à travers la pièce.